aujourd'hui, c'est lundi. Et nous nous retrouvons ici dans notre université où nous expliquons au monde entier, aux Ivoiriens, la crise ivoirienne. Où on est quitté, où on est et où on s'en va. La colonisation, on a été colonisé pendant combien d'années? Je le sais. En 1960, la France, par la pression, n'a donné l'indépendance. La France, un pays, chaque matière première, la neige. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde. Troisième pays producteur de café au monde. Côte d'Ivoire aujourd'hui déclarée réserve mondiale de pétrole. Allez, nous pétrole là, c'est le pétrole bleu, pétrole de qualité. C'est du pétrole, on n'a pas besoin d'avoir la scie. Dès qu'on peut mettre la voiture, ça c'est là-bas. Cette convoitise et des richesses et de ce continent est au cœur du débat. En fait, et les puissants de ce monde se moquent éperdument du sort des peuples d'Afrique. Comme d'habitude, de tout temps, ce qui les intéresse, c'est, on le sait, et les enjeux sont énergétiques. Et pourquoi ces débats sur le pétrole, sur le nucléaire, et qui déterminent l'avenir du monde, et ne concernent-ils pas l'Afrique? Abidjan, y a le jour. 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 Abidjan, y a la joie. Abidjan, y a la joie. Amadingalo, 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 Amadingalo. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La vitrine aussi d'un miracle dont toute l'Afrique de l'Ouest a profité avant de devenir un mirage dans les années 90, puis un cauchemar depuis le début de la guerre en septembre 2002. Abidjan est le passage obligé de tous les hommes d'affaires qui travaillent dans l'une des régions les plus riches du continent. Caoutchouc et bois, or et diamants, cacao et café, bauxite et fer, coton et fruits tropicaux ont attiré hier les puissances coloniales. La France en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, la Grande-Bretagne au Ghana et en Sierra Leone, alors que le Libéria demeurait sous l'influence américaine. Le port d'Abidjan est né en 1953 lorsque la France ressent le besoin d'avoir un grand port régional pour l'Afrique occidentale française. Elle perce alors le canal de Vridi qui relie la lagune d'Abidjan à l'océan Atlantique. En rade des nouveaux ports d'Abidjan à bord de l'aviso commandant de l'âge, de nombreuses personnalités dont M. Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer, ont inauguré officiellement l'un des plus grands ports d'Afrique noire. Le Rassemblement démocratique africain, jusqu'ici hostile à la cérémonie d'inauguration, a rendu publiquement hommage à l'œuvre des grands Français dont l'initiative audacieuse a marqué la place prépondérante de la Côte d'Ivoire dans le monde économique moderne. Ce port a toujours été le débouché naturel et indispensable de tous les pays enclavés du Nord, Mali, Burkina Faso et Niger. Mais aujourd'hui, seuls quelques rares bateaux le fréquentent. Le putsch raté de septembre 2002 a bouleversé le commerce régional. Une certaine France qui a conçu les choses de cette manière, de telle sorte que la Côte d'Ivoire puisse être le lieu fondamental de son ancrage dans la sous-région, et en vue à partir de la Côte d'Ivoire d'irradier sur le reste les pays environnants, comme ça s'est passé pour le Mali, la Guinée et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire, c'était la vitrine, le fief, le lieu d'où partaient les décisions.
Une région composée de quatre aires culturelles. Les Akans, dans le centre et l'est ivoirien, ainsi qu'au Ghana. Les Gourds, dans le nord-est et au Burkina Faso. Les Mandés, dans le nord-ouest, au Mali et en Guinée. Enfin les Krous, à l'ouest et au Libéria. Une région aussi sous l'influence d'Oufouette Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Les choix politiques et économiques qui avaient été faits par Oufouette Boigny faisaient de la Côte d'Ivoire une sorte d'oasis. Faut bien se souvenir qu'Oufouette Boigny avait été un des rares à choisir plutôt le modèle libéral que le modèle communiste, alors qu'il était lui-même issu de partis apparentés, et que ce modèle libéral lui a valu un soutien des entreprises occidentales et en même temps une grande bienveillance de la France qui a entretenu sur son sol, et qui entretient encore d'ailleurs, des soldats chargés en principe d'assurer la tranquillité du pays. C'est sans doute une des raisons qui font que la Côte d'Ivoire apparaissait comme un pays protégé à l'époque. La Côte d'Ivoire est en guerre ouverte depuis septembre 2002, mais la bataille d'Abidjan a commencé beaucoup plus tôt, quelques semaines seulement après la fin de la guerre froide. En décembre 1989, deux personnages entrent en scène, le général ivoirien Robert Gaye et le rebelle libérien Charles Taylor. Gaye aide Taylor à se lancer à l'assaut du Libéria avec l'aide militaire de la Côte d'Ivoire d'Oufouette Boigny, du Burkina Faso de Blaise Compaoré et de la Libye du colonel Kadhafi, mais aussi de quelques compagnies occidentales. On ne peut pas oublier que le 24 décembre 1989, Charles Taylor a quitté la frontière ivoiro-libérienne à partir de Danané, une petite ville ivoirienne, avec le soutien de l'armée ivoirienne, et il a engagé une guerre à partir de la Côte d'Ivoire qui a embrasé le Libéria. Il était soutenu par l'armée et le gouvernement ivoirien de Félix Houphouët-Boigny. Cette guerre régionale, elle doit être analysée comme telle. Quelles sont les forces internationales? Qui fournit les armes? Qui fournit le soutien diplomatique au moment où on en a besoin? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Si on analyse les crises une à une selon des complexités particulières à chaque pays, on se trompe. Il y a quand même toujours eu une sorte de concurrence entre les anciennes puissances coloniales sur l'Afrique. Et le Libéria était aussi symptomatique aussi de cette présence en disant voilà, le Libéria, c'est les anglo-saxons qui veulent pénétrer dans le précaré français. Et donc la France a joué un rôle, bien évidemment, avec le colonel Kadhafi, une sorte d'alliance un peu étonnante avec le colonel Kadhafi, la Libye, le Burkina Faso, Blaise Compaoré, et de l'autre côté, le président Oufouette Boigny. Tout le monde a soutenu Charles Taylor, avec aussi des intérêts économiques, dans le sens où c'était le prolongement aussi de la Côte d'Ivoire, et donc ça veut dire c'était l'EVA, tout ce qui était minerais et diamants. Le fil rouge, c'est quand même probablement la volonté d'avoir une sorte de mainmise sur une sous-région qui, dans le cas de Kadhafi, l'intéresse toujours, hein, dès lors qu'il touche aux marges de son désert méridional, il est intéressé. Et puis, il faut y ajouter, toujours la même chose, la possibilité de s'enrichir de manière occulte, donc de s'armer et de devenir plus fort grâce au trafic des diamants. Je crois que c'était là la source qui intéressait beaucoup plus Compaoré que Kadhafi d'ailleurs. C'est au Burkina Faso que Taylor engage 500 commandos de l'armée régulière, mais c'est en Côte d'Ivoire qu'il recrute ses principaux lieutenants. En 1988, Taylor il est passé par Biguin, il est venu chercher ces jeunes gens-là. Il les a recrutés tout, il les a amenés au Burkina, même au Libye. C'est pas Libye maintenant, ils sont sortis au Burkina, ils ont suivi formation pendant un an. Ils financent seulement les jeunes avec l'argent. Il venait d'où, Tadjou? Non, mais lui, il avait des diamants. Il avait des fers, il avait des EVA. Donc, tout ça, là, c'est pour les Américains, il a mis la main dessus. C'est les Burkinabés qui donnent les ordres. Ils ont près de 500 commandos de Burkinabés. Les armes, c'est Libye qui donne ça. Et lui aussi, quand les gens me donnent des diamants, les fers, les EVA, et puis là, on va. C'est un commerce qu'ils ont fait. Quand les armes viennent là, ils savent que le bois là, sur le Libéria, ils ont permis d'en boire. Hein. Bien sûr.
Ça, c'était pour bah, tous ceux qui sont venus. Les gens disent que c'est les Français. Mais nous, on les voit. C'est les faits là. Les faits de l'Anko là. C'est les Chinois qui viennent et ils prennent ça. Oui. Tu étais bien payé? Oui, très bien payé. Tout? Tout rentre dans la US par mois. Et à Monrovia, ça va? Est-ce que tu pouvais vivre bien avec ça? Ah ouais, on vivrait bien. C'est un problème? Non. Mais c'est nous, on a des armes à la main. Donc nous, on dort bien, on a mangé, on a tout. Après avoir mis le pays à feu et à sang, Charles Taylor parvient même à se faire élire président, au grand dam du roi américain du caoutchouc libérien, Firestone. Taylor n'oublie pas de renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'ont aidé. Le président ivoirien Houphouët Boigny, le groupe hollandais Oriental Timber Corporation et le français Bolloré obtiennent de grandes concessions dans le caoutchouc et dans le bois exotique. Dès lors qu'un homme politique, on pourrait dire Charles Taylor, on pourrait en citer d'autres en Afrique, sont à la tête de... Enfin, ont la possibilité de mettre la main sur de véritables magots, à ce moment-là, ils peuvent acheter tout le monde, y compris les hommes politiques occidentaux et français. Je pense que plusieurs ouvrages l'ont assez facilement démontré. Puis Taylor lance ses commandos à la conquête des autres richesses régionales, en commençant par les diamants de Sierra Leone et de la Guinée. Charles Taylor a décidé de mener une guerre au long cours au Libéria, d'exporter sa guerre en Sierra Leone. Et c'est là qu'on a eu le Rouf, un mouvement rebelle totalement odieux, qui s'est spécialisé dans l'amputation des enfants. Une sorte de terrorisme qui se fondait sur la certitude que la communauté internationale ne s'impliquerait jamais directement pour arrêter la main de l'assassin. Donc nous allons tuer, et puis nous allons tellement tuer qu'ils seront obligés de nous reconnaître pour nous inviter à des négociations. Donc cette technique du terrorisme en vue d'obtenir une place au sein des négociations internationales a marché au Libéria, elle a marché en Sierra Leone, elle n'a pas marché en Guinée, parce que peut-être les États-Unis ont des intérêts trop forts en Guinée. Et Charles Taylor avait une autre stratégie de pouvoir qui consistait à être un seigneur de guerre. Hein. Et je ne suis pas sûr que le rôle géostratégique des États-Unis ait été sa première préoccupation. Lui, ce qui l'intéressait, je crois, c'est mettre la main sur des richesses considérables, c'est-à-dire le diamant, s'armer, se surarmer et conserver le pouvoir pour s'enrichir personnellement et sa famille proche. Mais en 1993, un événement majeur vient bouleverser les rapports de force dans toute la région. La mort d'Houphouët Boigny prive Taylor d'un soutien indispensable et plonge la Côte d'Ivoire dans une longue guerre de succession qui oppose d'abord les deux fils spirituels d'Houphouët Boigny. L'héritier officiel qui lui succède, Henri Conan Bédier, et Alassane Ouattara, ancien Premier ministre. Plus tard, le général Robert Gay, ancien chef d'état-major, et le leader socialiste Laurent Gbagbo, l'opposant historique. L'artiste peintre, comme tout artiste d'ailleurs, ne peut pas être un observateur passif de son temps. Voyez. Ces quatre personnages symbolisent les hommes politiques, les leaders politiques ivoiriens. Ici, on a le général Gueye, ici le président Bédier, là le président Alassane, et là le président Gbagbo. Donc, en fait, ce sont ces quatre leaders qui sont à la conquête du pouvoir. Et je me suis dit que, tiens, si ces quatre personnages sont unis, ils s'entendent entre eux, il n'y a pas de raison que le pouvoir et le peuple soient divisés. Dès qu'ils sont séparés, chacun d'entre eux part avec une partie du peuple. Et c'est la division. Dans cette bataille, les armes utilisées sont très dangereuses. Bédier fait appel au sentiment nationaliste et lance l'ivoirité pour écarter Ouattara, qui riposte en favorisant la rébellion de certains militaires nordistes. Euh,
après la mort du premier président Félix Houphouët-Boigny,